voici dans la partie du jardin qui s'étend derrière la maison. Ils n'y viennent jamais. Les portes sont de l'autre côté. Elles sont fermées et les volets sont clos. Mais il n'y a pas de volet par ici et j'ai plus de la lumière. Oui, ils veillent encore sous la lampe. Il est heureux qu'il ne nous ait pas entendus. La mère et les jeunes filles seraient sorties peut-être. Et alors, qu'aurait-il fallu faire? Qu'allons-nous faire? Je voudrais voir d'abord s'ils sont tous dans la salle. Oui, j'aperçois le père, assis au coin du feu. Il attend, les mains sur les genoux. La mère s'accoude sur la table. Elle nous regarde! Non, elle ne sait pas ce qu'elle regarde. Ses yeux ne clignent pas. Elle ne peut pas nous voir, nous sommes dans l'ombre des grands arbres. Mais n'approchez pas davantage. Les deux sœurs de la morte sont aussi dans la chambre. Elles brodent, lentement. Le petit enfant s'est endormi. Il est 9 h à l'horloge qui se trouve dans le coin. Il ne se doute de rien, il ne parle pas. Si l'on pouvait attirer l'attention du père et lui faire quelques signes. Il a tourné la tête de ce côté. Voulez-vous que je frappe à l'une des fenêtres? Il faut bien que l'un d'eux la prenne avant les autres. Je ne sais qui choisir. Le père est vieux et maladif. La mère aussi. Et les sœurs sont trop jeunes. Et tous l'aimer comme on n'aimera plus. Je n'avais jamais vu une maison plus heureuse. Non, n'en approchez pas de la fenêtre, ce serait pire qu'autre chose. Il vaut mieux l'annoncer le plus simplement que l'on peut. Comme si c'était un événement ordinaire. Et ne pas paraître trop triste. Sans quoi, leur douleur peut surpasser la vôtre et ne sait plus que faire. Allons de l'autre côté du jardin. Nous frapperons à la porte et nous entrerons comme si rien n'était arrivé. J'entrerai le premier. Ils ne seront pas surpris de me voir. Je viens parfois le soir leur apporter des fleurs ou des fruits et passer quelques heures avec eux. Pourquoi faut-il que je vous accompagne? Allez seul. J'attendrai qu'on m'appelle. Ils ne m'ont jamais vu. Je ne suis qu'un passant, je suis un étranger. Il vaut mieux ne pas être seul. Un malheur qu'on n'apporte pas seul est moins net et moins lourd. J'y songeais en venant jusqu'ici. Si j'entre seul, il me faudra parler dès le premier moment. Ils sauront tout en quelques mots et je n'aurai plus rien à dire. J'ai peur du silence qui suit les dernières paroles qui annoncent un malheur. C'est alors que le cœur se déchire. Et si nous entrons ensemble, je leur dis, par exemple, après de longs détours, on l'a trouvée ainsi. Elle flottait sur le fleuve et ses mains étaient jointes. Ses mains n'étaient pas jointes, ses bras pendaient le long du corps. Et vous voyez qu'on parle malgré soi. Et le malheur se perd dans les détails. Sans quoi, si j'entre seul, au premier mot tel que je les connais, ce serait effrayant. Dieu sait ce qui arriverait. Mais si nous parlons tour à tour, ils nous écouteront et ne songeront pas à regarder la mauvaise nouvelle. N'oubliez pas que la mère sera là et que sa vie tient à si peu de choses. Il est bon que les premières vagues se brisent sur quelques paroles inutiles. Il faut qu'on parle un peu autour des malheureux et qu'ils soient entourés. Les indifférents portent sans le savoir une part de douleur. Elles se divisent ainsi, sans bruit et sans effort, comme l'air ou la lumière. Nos vêtements
vêtements sont trempés et des gouttes sur les dalles. Le bas de mon manteau seul a trempé dans l'eau. Vous semblez avoir froid. Votre poitrine est couverte de terre. Je ne l'avais pas remarqué sur la route à cause de l'obscurité. Je suis entré dans l'eau jusqu'à la ceinture. Instants à peine. J'allais vers le village. Il était déjà tard et la berge devenait obscure. Je marchais, les yeux fixés sur le fleuve parce qu'il était plus clair que la route. Lorsque je vois une chose étrange à deux pas d'une touffe de roseaux. Je m'approche et j'aperçois sa chevelure qui s'était élevé presque en cercle au-dessus de sa tête et qui tournoyait ainsi selon le courant. Avez-vous vu trembler sur leurs épaules la chevelure de ces deux sœurs? Elles ont tourné la tête de ce côté. Elles ont simplement tourné la tête. J'ai peut-être parlé trop fort. Mais déjà, elles ne regardent plus. Je suis entré dans l'eau jusqu'à la ceinture et j'ai pu la prendre par la main et la mener sans effort jusqu'à la rive. Elle était aussi belle que ses sœurs. Elle était peut-être plus belle. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu tout courage. De quel courage parlez-vous? Nous avons fait tout ce que l'homme pouvait faire. Elle était déjà morte depuis une heure. Elle vivait ce matin. Je l'avais rencontrée au sortir de l'église. Elle m'a dit qu'elle partait. Elle allait voir son aïeul. De l'autre côté de ce fleuve, vous l'avez trouvé. Elle doit avoir été sur le point de me demander quelque chose, puis elle n'a pas osé. Elle m'a quitté brusquement. J'y songe à présent. Je n'avais rien vu. Elle a souri, comme sourient ceux qui veulent se taire ou qui ont peur qu'on ne comprenne pas. Elle semblait n'espérer qu'avec peine. Ses yeux n'étaient pas clairs, elles ne m'ont presque pas regardé. Des paysans ont dit qu'ils l'avaient vue errer jusqu'au soir sur la rive. Ils pensaient qu'elle cherchait des fleurs. Il se peut que sa mort... On ne sait pas. Mais qu'est-ce que l'on sait? Il était peut-être de celles qui ne veulent rien dire. Et chacun porte en soi plus d'une raison de ne plus vivre. On ne voit pas dans l'âme comme on voit dans cette chambre. Elles sont toutes ainsi. Elles ne disent que des choses banales et personne ne se doute de rien. On vit pendant des mois à côté de quelqu'un qui n'est plus de ce monde et dont l'âme ne peut plus s'incliner. On lui répond sans y songer. Vous voyez ce qui arrive. Ils ont l'air de poupées immobiles. Et tant d'événements se passent dans leurs âmes. Elles ne savent pas elles-mêmes ce qu'elles sont. Jusqu'à sa mort, monsieur, madame, il pleuvra ce matin, ou bien nous allons déjeuner, nous serons très à table, ou bien les fruits ne sont pas encore mûrs. Elles parlent en souriant des fleurs qui sont tombées et pleurent dans l'obscurité. Un ange même ne verrait pas ce qu'il faut voir, et l'homme ne comprend qu'après coup. Hier soir, elle était là, sous la lampe, comme ses sœurs. Vous ne les verriez pas tel qu'il faut les voir si cela n'était pas arrivé. Il me semble les voir pour la première fois. Il faut ajouter quelque chose à la vie ordinaire avant de pouvoir la comprendre. Et cependant,
étrange petite âme qu'il devait avoir. La pauvre et naïve et inépuisable petite âme qu'elle a eue, mon enfant, si elle a dit ce qu'elle doit avoir dit, si elle a fait ce qu'elle doit avoir fait. En ce moment, il sourit en silence dans la chambre. Il s'est tranquille. Il ne l'attendait pas ce soir. Il sourit sans bouger. Mais voilà que le père met un doigt sur les lèvres. N'ose pas lever les yeux, de peur de troubler son sommeil, j'imagine. Le regard de l'enfant ils ne savent pas qu'on les regarde. On nous regarde aussi. Ils ont levé les yeux. Cependant, ils ne peuvent rien voir. Ils semblent heureux. Et cependant, on ne sait pas ce qu'il y a. Ils se croient à l'abri. Ils ont fermé la porte et les fenêtres ont des barreaux de fer. Ils ont consolidé les murs de la vieille maison. Ils ont mis des verrous aux trois portes de chêne. Ils ont prévu tout ce qu'on peut prévoir. Il faudra finir par le dire. Quelqu'un pourrait venir l'annoncer brusquement. Il y avait une foule de paysans dans la prairie où se trouvait la morte. Si l'un d'eux frappait à la porte... Allait faire un brancard de feuillage. J'ai dit à l'aîné de venir nous prévenir en hâte, au moment qu'il se mettrait en marche. Attendons qu'elle vienne, elle m'accompagnera. Nous n'aurions pas pu les regarder ainsi. Je croyais qu'il n'y avait qu'à frapper à la porte, à entrer simplement, à chercher quelques phrases et à dire. Je les ai vus vivre trop longtemps sous leur lampe. Ils viennent, grand-père. Et toi ? Où sont-ils ? Ils sont au bas des dernières collines. Ils viennent en silence ? Je leur ai dit de prier à voix basse. Marthe les accompagne. Ils sont nombreux ? Tout le village est autour des porteurs. Ils avaient apporté des lumières. Je leur ai dit de les éteindre. Par où viennent-ils ? Ils viennent par les petits sentiers. Ils marchent lentement. Il est temps. Vous l'avez dit, grand-père. Vous voyez bien que nous n'avons rien dit. Ils les attendent encore sous la lampe. Regardez, maman. Regardez. Vous verrez quelque chose de la vie. Ils semblent tranquilles. On dirait que je les vois en rêve. Prenez garde. J'ai vu tressaillir les deux sœurs. Elles se lèvent. Je crois qu'elles viennent vers les fenêtres.
personne ne vient à la fenêtre du milieu. Elles regardent. Elles écoutent. L'aînée sourit à ce qu'elle ne voit pas. Et la seconde a les yeux pleins de crainte. Prenez garde. On ne sait pas jusqu'où l'âme s'étend autour des hommes. Grand-père! Ne pleurez pas. Nous aurons notre tour. Elle regarde longtemps. Elle regarderait 100 000 ans qu'elle n'apercevrait rien, les pauvres sœurs. La nuit est trop obscure. Elle regarde par ici. C'est par là que le malheur arrive. Il est heureux qu'elle regarde par ici. On ne sait pas ce qui s'avance du côté des prairies. Je crois que c'est la foule. Ils sont si loin qu'on les distingue à peine. Ils suivent les ondulations du sentier. Voilà qu'ils reparaissent à côté d'un talus éclairé par la lune. Qu'ils semblent nombreux. Ils accouraient déjà du faubourg de la ville lorsque je suis venue. Il faut un grand détour. Ils viendront malgré tout. Je les vois aussi. Ils sont en marche à travers les prairies. Ils semblent si petits qu'on les distingue à peine entre les herbes. On dirait des enfants qui jouent au clair de lune. Si elles les voyaient, elles ne comprendraient pas. Ils ont beau leur tourner le dos. Ils approchent à chaque pas qu'ils font. Le malheur grandit depuis plus de 2 heures. Ils ne peuvent plus l'arrêter. Il est leur maître aussi. Il faut qu'il le serve. Il a son but et il suit son chemin. Il est infatigable et il n'a qu'une idée. Il faut qu'il leur prête leur force. Ils sont tristes, mais ils viennent. Ils ont pitié. Mais ils doivent avancer. L'aîné ne sourit plus, grand-père. Elle quitte les fenêtres. L'aîné caresse les boucles de l'enfant qui ne s'éveille pas. Oh, voici que le père veut qu'on l'embrasse lui aussi. Maintenant, le silence.
yeux le grand balancier de l'horloge. On dirait qu'elles écoutent leurs âmes. Oh, père, ne le dites pas ce soir. Vous voyez que vous perdez courage aussi. Je savais bien qu'il ne fallait pas regarder. J'ai près de 83 ans. C'est la première fois que la vue de la vie m'a frappé. Je ne sais pas pourquoi tout ce qu'ils font m'apparaît si étrange, si grave. Ils attendent la nuit, simplement, sous leur lampe, comme nous l'aurions attendu sous la nôtre. Cependant, je crois les voir du haut d'un autre monde parce que je sais une petite vérité qu'ils ne savent pas encore. Est-ce cela, mes enfants? Dites-moi donc pourquoi vous êtes pâles aussi. Y a-t-il peut-être autre chose que l'on ne peut pas dire et qui nous fait pleurer? Je ne savais pas qu'il y eut quelque chose de si triste dans la vie. À ceux qui la regardent. Rien ne serait arrivé que j'aurais peur à les voir si tranquilles. Ils ont trop de confiance en ce monde. Ils sont là, séparés de la nuit par de pauvres fenêtres. Ils croient que rien n'arrivera parce qu'ils ne se doutent pas que tant d'autres en savent davantage et que moi, pauvre vieux, je me tiens ici, à deux pas de leur porte, avec tout leur petit bonheur entre mes vieilles mains que je n'ose pas ouvrir. Ayez pitié, grand-père. On a pitié d'eux, mais on n'a pas pitié de nous. Dites-le demain. Dites-le quand il fait clair. Ils seront moins tristes. Vous avez peut-être raison. Il vaudrait mieux laisser tout ceci dans la nuit. La lumière est douce à la douleur. Et que nous dirait-il demain? Le malheur rend jaloux et ceux qui l'ont frappé veulent être avertis avant les étrangers. Ils n'aiment pas qu'on le laisse aux mains des inconnus. Il n'est plus temps d'ailleurs. J'entends déjà le murmure des prières. Ils sont là. Ils passent derrière les haies. Me voici. Je les ai conduits jusqu'ici. Je leur ai dit d'attendre sur la route. Tout est-il prêt? J'ai apporté la petite bague qu'on a trouvée sur elle. Je l'ai couchée moi-même sur le brancard. Elle a l'air de dormir. J'ai eu bien de la peine. Ses cheveux ne voulaient pas m'obéir. J'ai aussi fait cueillir des marguerites. C'est triste. Il n'y avait pas d'autres fleurs. Qu'êtes-vous ici? Auprès d'eux. Ils ne pleurent pas. Vous ne l'avez pas dit. Marthe, il y a trop de vie dans ton âme, tu ne peux pas comprendre. Pourquoi ne comprendrais-je pas? Vous ne pouviez pas faire cela, grand-père. Marthe, tu ne sais pas. C'est moi qui vais le dire. Reste ici, mon enfant. Ici, mon enfant. Quelle patience ils ont. Viens ici, mon enfant. Où êtes-vous, grand-père?
Non, Marc. Reste ici. Tu es trop jeune, tu ne pourrais plus oublier. Tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'un visage au moment où la mort va passer dans ses yeux. Il n'y aura peut-être rien. Surtout ne te retourne pas si tu n'entendais rien. Ne sais pas d'avance la marche de la douleur. Quelques petits sanglots, voici nos profondes, c'est tout d'ordinaire. Moi-même, je ne sais pas non plus ce que je pourrais faire quand je les entendrai. Cela n'appartient plus à cette vie. Embrasse-moi, mon enfant, avant que je m'en aille.
sais pas